Salam alaikum, aïza et talamid. Nous étudions encore le rôle du muscle squelettique strié dans la conversion d'énergie. On a vu dans la première vidéo quelques enregistrements appelés myogrammes de l'activité musculaire. Dans la deuxième vidéo, on a vu la structure et l'ultrastructure du muscle squelettique strié. Dans la troisième vidéo, on a vu le mécanisme de la contraction musculaire, comment se contracte le muscle. Et on a vu que cette contraction nécessite de l'énergie sous forme de l'ATP qui est convertie en énergie mécanique. Donc l'énergie de l'ATP, c'est de l'énergie chimique. Au cours de la contraction, au niveau des têtes de myosine, cette énergie va être libérée au cours de l'hydrolyse de l'ATP et aussi convertie en énergie mécanique qui se voit au cours de pivotement des têtes de myosine pour faire glisser les filaments d'actine. Une partie de cette énergie aussi est libérée sous forme de chaleur. Donc, le muscle convertit l'énergie chimique de l'ATP en énergie mécanique et thermique. Wadahla d'alikom. Mazalin fdaur le muscle. T'arfna ala aliyat taqallus al'adali, le mécanisme de la contraction musculaire. Qulna khilalu ala anna al'adala راه كتحول لنا الطاقة الكيميائية ديال لا تي بي لطاقة ميكانيكية اللي كتبان لنا حنايا في الحركة وأيضا طاقة حرارية. كاين واحد الجزء من الطاقة يتحرر على شكل حرارة. راه ملي كنديرو أنشطة جسمانية ملي كتكون كتجري اون اكتيفيتي فيزيك راه كتحس بالذات ديالك كتسخن. هذا كيعني أن هناك تحويل طاقة كيميائية إلى طاقة حرارية. اي دونك لا كونتراكسيون مسكولير نيسيسيت دو لينيرجي سو فورم دو لا تي بي. Et même beaucoup de l'ATP. Donc, dans cette vidéo, on va voir les méthodes utilisées par la cellule musculaire pour régénérer, pour renouveler de l'ATP. Donc, régénération de l'ATP nécessaire à la contraction. Pour mettre en évidence ces méthodes, ça veut dire les méthodes régénératrices de l'ATP nécessaires à la contraction, certains physiologistes, ça veut dire les biologistes, qui s'intéressent au fonctionnement de l'organisme. Donc, il y a des professeurs dans les sciences de la vie, dans la biologie, donc, pour qu'ils s'intéressent aux études des fonctions, qu'ils s'intéressent aux physiologistes. Ces chercheurs ont mis en évidence les méthodes régénératrices de l'ATP à travers de certaines expériences. On a ici le résultat d'une de ces expériences. Donc, observez ici, on a un muscle squelettique strié dont on a dosé le dioxygène, le CO2 et le glucose entrant dans le sang, entrant au muscle et aussi dans le sang sortant du muscle. هنا انت بالله عليكم ضروري واحد المراجعه وبالعربيه لان شفتوا الدوره الدمويه في سنه ثالثه اعدادي بالعربيه لان تعرفتوا على الدوره الدمويه. الدوره الدمويه قسمتها لدورتين، دوره كبرى ودوره صغرى. الدوره الكبرى ما بين القلب والاعضاء. اذا القلب هو الذي يضخ الدم الى جميع الاعضاء. وما الهدف؟ الهدف طبعا شنو هو الدم؟ هو وسيط بين الاعضاء، الموصل. اذا شنو غادي يوصلنا للاعضاء؟ غادي يوصلنا المواد القيت، اذا لي نوتريمون، اذا اللي تنجز طبعا عن عمليه الهضم من الامعاء يتحمل هذا الدم بمواد القيت. من جهه اخرى سينقل ايضا ثنائي الاكسجين الذي يتحمل به او ياخذه من الرئتين المستوى الرئتين بالاضافه الى مواد اخرى شفتو في سنه اولى مثلا بكالوريا الهرمونات مثلا كالانسولين. اذا الدم سيعمل على ايصال مجموعه من المواد الى الخلايا. غير هنا انتبه الله عليكم في الدوره الكبرى، خلينا مع الدوره الكبرى قلنا ما بين القلب وما بين الاعضاء. اذا هذا الدم اللي غيوصل للعضله من يجي راه جاي من القلب. العضله عضو كجميع الاعضاء، اذا ستتلقى هذا الدم من القلب. غير هما العروق طبعا عبر عروق، هما العروق اللي غادي يخرجوا لنا من القلب وغيوصلوا لنا للعضله، يعني اللي غادي يدخلوا الدم للعضله. كيفاش سميتوهم؟ هما اللي سميتوهم الشرايين لي زارتير. دونك اون بارل ايسي دان سون ارتيريال، الدم الشرياني. دونك سون ارتيريال، وهذا الدم طبعا سيزود قلنا العضله بحال جميع الاعضاء بالمواد اللي محتاجين ليها، وهذا الدم سيغادر هاد العضله ولا العضو بصفه عامه. اذا عبر ماذا؟ غتقولوا لي عبر عروق دمويه حتى هي، ولكن كيف تسمى؟ اذا هاد العروق اللي غترجع لنا الدم للقلب. اذا اللي دات الدم من القلب للاعضاء سميتوها لي زارتير، سميتوها لي زارتير.
دونك هنا اون بارل دان سون ارتيريال سميتوها الشرايين في الثالثه اعدادي والعروق اللي غادي تخرج الدم من هاد الاعضاء وتعاود ترجعو من القلب كيفاش سميتوهم سميتوهم الاورده لي فين دونك اون بارل دو سون فينو اذا لو سون كي فا سورتير دو موسكل اي دي سون فينو Observons les résultats obtenus dans deux cas différents. Le premier cas, c'est le cas de repos. Ça veut dire le muscle est au repos. في حالة راحة. Observez le taux de dioxygène entrante dans le muscle. Entrante, 20 ml. Le dioxygène dans le sang sortant, 15 ml. Donc, vous constatez que le taux de dioxygène dans le sang veineux, ça veut dire sortant du muscle, est beaucoup plus supérieur que celui entrant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien sûr que le muscle a consommé le dioxygène. Il a consommé combien de dioxygène? Donc 20 moins 15, 5 ml de dioxygène dans chaque 100 ml de sang entrant dans ce muscle. دونك هنا كتلاحظوا دخلات 20 ملل ديال الديوكسيجين شحال خرجات 15 ملل اذا هذا كيعني 5 ملل فين مشات 5 ملل الى ايت يوتيليزي بار لو موسكل لو دوزيام كومبوزون دوزي عاوتاني شنو قاسوا لنا CO2 CO2 دونك لا كونتيتي انترونت بار شاك 100 ملل سي 50 ملل La quantité sortante, c'est 54. Donc, bien sûr, 54 supérieur que 50. Ça veut dire que le muscle a dégagé de CO2. Donc, il a produit le CO2. Autre composant dosé, le glucose. Dans le sang artériel, il y avait 90 mg. Dans le sang veineux, il n'y a que 87 mg. Ça veut dire la quantité de glucose entrante dans le muscle, elle est supérieure à celle sortante. Ça veut dire que le muscle a consommé le glucose. Ceci, on a en cas de repos. En cas d'activité, muscle en activité. Le muscle est en activité. Donc, le taux d'oxygène entrant, ici, on a 22 ml. Observez le taux de dioxygène sortant. 4 ml, que 4 ml. Ça veut dire la différence elle est grande. 18 ml, où elle est partie? Elle est consommée par le muscle. Le taux de CO2 entrant dans le muscle, 50 ml, sortant, 62 ml. Ça veut dire qu'il y a une grande quantité de CO2. Il a été libéré par le muscle dans le sang qui sort de ce muscle. Le glucose entrant, 90 mg. Et sortant 80 mg. Donc, il y avait consommation de 10 mg de glucose en cas d'activité. Alors qu'en cas de repos, que 3 mg a été consommé. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le muscle, soit au repos, soit en activité, il consomme quoi? Il consomme du glucose. 6,6H12O6. Aussi, elle consomme le dioxygène. Et produit quoi? Produit le CO2. Mais, comme vous l'avez constaté, en cas d'activité, la consommation de dioxygène et de glucose est beaucoup plus forte qu'en cas de repos. Ainsi que la libération de CO2, elle est beaucoup plus forte aussi en cas d'activité. La consommation du glucose, consommation d'oxygène, rejet de CO2. On l'a vu, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle la respiration cellulaire. Donc, les muscles ou bien les cellules musculaires, comme les autres cellules de l'organisme, ils respirent. Pour quelle raison? Pour produire de l'énergie nécessaire à la synthèse de l'ATP. Et au cours de la respiration, à partir de molécules de glucose, on a production de 38 ATP. 38
ATP. Et bien sûr, aussi en la production de l'eau. Le dioxygène se réduit en eau. Donc, pour produire 38 ATP, la cellule a besoin de 38 ADP plus PI. Donc, c'est l'équation bilan de la respiration. Donc, la respiration constitue la voie la plus utilisée par les cellules en général et surtout par le muscle pour régénérer de l'ATP. Parce qu'elle produit beaucoup de l'ATP, grande quantité d'énergie sous forme d'ATP. Mais le problème qui se pose, c'est que la respiration, on a vu qu'elle se déroule en étapes. Donc, ça nécessite un peu de temps, quelques minutes. Et lorsqu'on fait un effort intense, surtout au début de l'effort, donc la cellule musculaire a besoin de régénérer de l'ATP de façon très vite, plus vite. Donc, elle a besoin d'autres méthodes régénératrices de l'ATP qui sont plus vite. فهمتوا هذه الله عليكم؟ إذن خلايا الجسم ديالنا وخاصة العضلة راها كتعتمد أساسا على ريسبيراسيون بور برودوير دو لا تي بي. علاش؟ لأن كتجلى كمية كبيرة ديال لا تي بي. كاين مشكل أن شفنا لا ريسبيراسيون كدوز بزاف لي زيتاب، بالتالي خصها شوية الوقت. إذا ممكن يكون كلكم مينوت بعض الدقائق اللي كيكون العضلة ما عندهاش الوقت باش تصبر هاد الدقائق هادو. مثلا كنتي كاسنتي بديتي تجري بالزربة ياك. اذا في هذه الحاله لي ميسكل كونسوم لو ستوك دا تي بي، داكشي اللي كان عندهم مخزون غادي يحرقوه بالزربه. ايزون بيزوان دو ريجينيري دو فاسون فيت او بيان تري فيت سي زا تي بي. دون سو كا ايل يوتيليز دو ميثود كي سون رابيد اي كي سون انايروبيك، سا فو دير سون بريزونس دو ديوكسيجين، نو نيسيسيت با دو ديوكسيجين. Ces méthodes sont, premièrement, dans la cellule musculaire, il y a une molécule appelée phosphocréatine ou bien créatine phosphate. C'est la même chose. Donc la phosphocréatine ou bien créatine phosphate. Comme son nom l'indique, elle est constituée par une molécule dite créatine qui est liée à un groupement phosphate. Ce groupement phosphate va être cédé à un ADP. ADP, c'est l'adénosine diphosphate, ça veut dire qu'on tient deux groupements phosphates. L'ADP va recevoir un groupement phosphate. Donc, il va se transformer en ATP. Et la phosphocréatine qui a perdu son groupement phosphate, elle va devenir créatine. Créatine. Et ainsi, on a formation des ATP. La deuxième méthode rapide régénératrice de l'ATP, c'est l'ADP l'ADP adénosine diphosphate va céder un groupement phosphate à un autre ADP. L'ADP va céder un groupement phosphate à l'ADP. Donc l'ADP qui va accepter le groupement phosphate, il va se transformer en quoi? En ATP. Trois groupements phosphate. Et l'autre ADP, elle va devenir quoi? Elle va devenir AMP. Ça veut dire adénosine monophosphate. Mono, un seul groupement phosphate. Donc ces deux méthodes sont deux méthodes rapides anaérobies, ça veut dire en absence de dioxygène, ne nécessitent pas de dioxygène. Et on a vu auparavant une autre méthode régénératrice de l'ATP. C'est quoi? C'est la fermentation lactique, au cours duquel la cellule musculaire utilise le glucose 6 produit l'acide lactique CH3CHOHCOH plus 2 ATP. Donc 2 acides lactiques pour produire 2 ATP. Et bien sûr, la cellule a besoin de 2 ADP et 2 PI. C'est la fermentation lactique. Mais quand est-ce que la cellule musculaire
D'après vous, recours à la fermentation lactique, c'est lorsque la respiration n'est plus suffisante pour reproduire l'ATP nécessaire à l'activité musculaire. On a vu que la respiration produit une grande quantité d'énergie sous forme de 38 ATP. Bien sûr, on a ici 6, 6, 6. Mais parfois, lorsque l'effort musculaire elle est intense, la respiration devient insuffisante pour produire l'ATP nécessaire à cette activité. Dans ce cas, la cellule musculaire, en plus de la respiration, elle va effectuer la fermentation. La fermentation, داك تعرفوا ان ملي كندير واحد ليفور مسكولير ملي كيكون مجهد المحدك كترفع من ليفور مسكولير راه كتحاول كيحاول الجسم يوفر كميه اكبر من الاكسجين من الجلوكوز للعضله ياك هادشي علاش كتبدا تنهج كتدخل الايقاع ديال التنفس كيزيد الحجم لا كونتيتي دير كي اريف او بومون اوغمونت ديك الحجم الهواء اللي كتدخل للريه كيزيد كتبقى تنهج في واحد اللحظه كتبقى توسع الريه ديالك صافي حتى ما كتبقاش تقدر تزيد يعني هنايا عندك الحجم ديال الاكسجين اللي ممكن تفرو الريه راه محدود ماشي ليميتي راه ليميتي ولكن العضله كيوصل هذيك الحد الاقصى ديال الاكسجين اللي ممكن يوصل ولكن كتلقى راسها داك ما كافيهاش مازال محتاجه الطاقه اذا في هذه الحاله شنو كدير كدير التنفس لا ريسبيراسيون في الحدود ديال الاكسجين اللي كيوصلها وداك الطاقه اللي مازال خاصها باش كتكملها بلا فيرمونطاسيون اذا علاش قلنا كتلجأ لها اضطراراً لان لا فيرمونطاسيون حنا شفنا اون ا في كيل برودوي ان فيبل كونتيتي دانيرجي دونك سي اون بيرت دانيرجي هاد لاسيد لاكتيك سي دو لا ماتيير اورغانيك دونك استوك انكور دو لانيرجي اي سي ان ديشي بور لا سيلول دونك سي اون بيرت دانيرجي هاد غير خساره ديال الطاقه اون بليس هاد لاسيد لاكتيك كيعطينا التعب العضلي لا فاتيك مسكولار اذا حتى اللي كيتعب لنا العضله هاد لا فيرمونطاسيون كتعب لنا العضله علاش قلنا ما كتلجأ لها الخليه الا اضطرارا الوقت اللي لا ريسبيراسيون ما كتبقاش كافيه باش توفر الطاقة اللازمة الجديد لي زاتيبي الكافيين خلال قلنا ديك الأنشطة القوية ديال العضلة دونك اون ا ديستينغي تخوا تيب دو ميثود ريجينيراتريس دو لاتيبي باغ لا سيلول مسكولار إليا اون ميثود كي ايروبي سا في دير اون بريزونس دو ديوكسيجين نيسيسيت دو ديوكسيجين productrice d'une grande quantité d'ATP. Et c'est la méthode utilisée soit en cas de repos, soit en cas d'activité. Rahiel, quand nous sommes relaxés, nous allons faire de la respiration. C'est la méthode. Méthode rapide. La fermentation, nous allons faire le mjhoud ou qui, ou la respiration, nous allons faire de la respiration. La fermentation. Donc la respiration, c'est la méthode régénératrice de l'ATP, en tout cas, soit en repos, soit en activité. C'est la méthode dite lente, pour ça je suis de l'ouart, et aérobie, ça veut dire en présence d'oxygène. La deuxième méthode, c'est la fermentation. C'est une méthode anaérobie, ça veut dire en absence de dioxygène, ne nécessite pas de dioxygène, et moyenne de point de vue vitesse. Ici, on a deux types de réactions. On parle de méthode rapide anaérobie, ça veut dire ne nécessite pas de dioxygène. Et aussi, on dit alactique, ça veut dire ne produisent pas de l'acide lactique pour les différencier de la fermentation. La fermentation, c'est une méthode lactique, ça veut dire produit de l'acide lactique. Anaérobie, pour la respiration et la fermentation, on a vu qu'il y a dégradation du glucose. D'où provient ce glucose? Le glucose provient soit du sang de façon directe, comme on a vu ici, soit du glycogène, on a entendu du glycogène. C'est la forme de stockage du glucose dans la cellule musculaire. Dans la cellule musculaire, il y a du glucose stocké. Sous forme de quoi? Sous forme de glycogène. Sous forme de chaîne de glucose appelée glycogène. Donc la cellule musculaire dégrade d'abord le glycogène. On parle de l'hydrolyse de glycogène pour produire du glucose. Et le glucose sera dégradé soit au cours de la respiration, soit au cours de la fermentation. Donc, c'est l'origine. Donc, le glucose ici, c'est l'origine de l'énergie nécessaire à la production de l'ATP. Donc, comme vous l'avez constaté, au cours de la contraction musculaire ou bien l'activité musculaire, un ensemble de réactions se produit au sein de la cellule pour produire de l'ATP. Il y a des substances qui se produisent
comme l'acide lactique par exemple en cas de fermentation, comme le CO2. Il y a aussi des substances qui sont consommées comme le glucose, le dioxygène, la phosphocréatine, l'ADP ici. Donc c'est un ensemble de réactions chimiques. On parle des phénomènes chimiques accompagnant la contraction musculaire. Donc la contraction musculaire, elle est accompagnée, moussahaba, par un ensemble de phénomènes. D'abord phénomène chimique et aussi un autre phénomène appelé phénomène thermique. Et dans les cas qu'on cadjerie, cadjer nashat, cadjer schonia. Ça veut dire il y a un dégagement de chaleur. Donc ce dégagement de chaleur est dit phénomène thermique accompagnant la contraction musculaire. On a vu qu'il y a deux types de chaleur libérée. On a une chaleur dite initiale qui coïncide avec la secousse musculaire. Ici en bleu, on a la secousse musculaire, excitation a donné une secousse musculaire. Et en rouge, la chaleur dégagée au cours de cette activité musculaire. On constate que la chaleur initiale coïncide avec la secousse musculaire et il est divisé en deux. La chaleur de contraction qui coïncide avec la contraction. Et cette chaleur provient de l'hydrolyse de l'ATP. Donc au cours de la contraction, on a vu que l'ATP s'hydrolyse pour libérer l'énergie chimique qui va être transformée en énergie mécanique. Une partie de cette énergie provenant de l'ATP va être transformée en énergie mécanique et une autre partie va être libérée sous forme de chaleur. C'est la chaleur de la contraction. Une autre chaleur libérée au cours de relâchement. Il provient de ces deux réactions, ça veut dire rapide anaérobie. Une autre chaleur, en plus de la chaleur initiale, on a une chaleur retardée. Ça veut dire qu'elle se dégage après le relâchement du muscle. C'est la chaleur retardée. Il dure plus longtemps que la chaleur initiale, à peu près 0,3 secondes, alors que la chaleur retardée dure de 1 à 2 minutes. Après le relâchement, on parle de la chaleur retardée. Cette chaleur provient des réactions de la respiration. Donc, si on récapitule, donc l'activité musculaire est accompagnée de deux types de phénomènes. Phénomènes chimiques, ce ne sont que quoi? Un ensemble de réactions régénératrices de l'ATP, nécessaires bien sûr pour la contraction. Le deuxième type, ce sont les phénomènes thermiques. Ça veut dire le dégagement de chaleur. Ce n'est qu'une partie de l'énergie qui a été stockée soit au niveau du glucose, soit au niveau de l'ATP, et qui a été libérée lors de leur dégradation sous forme de chaleur. Chaleur initiale et chaleur retardée. Tu sais que la chaleur retardée, tu es en train de se faire, 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 c'est la chaleur retardée. انت كدير ان افور مسكولا جري 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 اختي في البلاصه هذيك انت كتجري طبعا الايقاع التنفس زاد ضربات القلب زادوا ملي كتوقف في البلاصه كلشي كيرجع هو هذاك طبعا لا كتجلس انت مازال كتدخل الهواء بكميه كبيره مازال قلبك كيضرب مازال يعني ان لو كور ا بيزوان انكور دو ديوكسيجين اون بارل دو كريدي دو ديوكسيجين اش كيعني هذا ان الجسم ديالك مازال محتاج الاكسجين هذا الدين ديال الاكسجين تفهمنا كيفاش معنى ديال هذا الدين هذا الكريدي مازال محتاج الاكسجين سا فو دير il respire davantage encore ياك pour produire quoi pour produire de l'ATP pour quoi en faire نتي والله عليكم au cours de l'activité le corps a perdu ses phosphocréatines et a perdu ses ADP qui ont été transformés en AMP les phosphocréatines ont été transformées en créatine donc il a perdu ces molécules là il doit les régénérer et dans le magasin ديالهم هاد لا فوسفوكرياتين ولا دي بي راه نقص لا دي بي كاينه تحولات لا ام بي لا فوسفوكرياتين تحولات لا كرياتين اذا المخزون ديالو راه نقص ديال الطاقه راه نقص اذا il doit régénérer ces produits là surtout la phosphocréatine la dp et pour les régénérer elle a besoin de l'atp يعني pour régénérer de la phosphocréatine rana elle va être régénérée à partir de la créatine et de l'ATP. Donc, il doit régénérer de l'ATP à travers la respiration pour régénérer de la phosphocréatine. Vous voyez, je vais dire l'ordre à l'écoute. Donc, quand vous avez fait un jour de l'ordre, le jisme que vous avez fait, il n'y a pas besoin de l'oxygène. Pourquoi? Il n'y a pas besoin de l'ATP. Qu'est-ce que vous avez fait de l'ATP?
باش يعوض بعدا ديك العناصر اللي ضيعها خلال النشاط العضلي اللي دار. شنو هي العناصر؟ اهمها هو هاد الفوسفوكرياتين، خصها تغجينيرا، خصها تجدد. اذا باش تجدد هاد الفوسفوكرياتين راه ملي غتجدد من الكرياتين زائد الاتابين في هذا الاتجاه المعاكس. اذا وبالتالي راه محتاج الاتابي، محتاج مازال محتاج يزيد الاتابي، تفهمنا؟ باش يعوض بعدا ديك المخزون ديالو. هذا هو اللي كيتسمى الدين وبين لو كريدي دو ديوكسيجين. Et ainsi, on a fini par le deuxième chapitre de la première unité, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Donc, à retenir, régénération de l'ATP nécessaire à la contraction musculaire. On a vu que la source directe de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire, c'est l'hydrolyse de l'ATP, dont la régénération se fait par trois voies essentielles. La voie rapide anaérobie, ça veut dire la phosphocréatine réagit avec l'ATP, va donner la créatine plus de l'ATP. Cette phosphocréatine est reconstituée après l'effort avec consommation d'ATP. La deuxième, ADP plus ADP, ça donne de l'ATP plus AMP, adénosine monophosphate. Ces deux réactions libèrent la chaleur initiale de relâchement. La deuxième voie, la voie de moyenne vitesse anaérobie, il s'agit de la fermentation lactique, dont l'équation globale s'écrit glucose plus 2-ADP plus 2-PI, ça donne 2 acides lactiques plus 2-ADP. La fermentation lactique intervient surtout lorsque l'intensité du travail musculaire est très élevée, de sorte que la circulation sanguine n'assure pas les quantités suffisantes d'oxygène que nécessite la respiration. Le manque est comblé par la fermentation lactique. La troisième voie, la voie lente aérobie. Il s'agit de la respiration cellulaire, dont l'équation globale s'écrit glucose plus du dioxygène plus 38 ADP plus 38 PI, ça donne CO2 H2O plus 38 ATP. Cette réaction libère la chaleur retardée, énergie thermique. La voie respiratoire assure durablement la production d'ATP. On parle bien sûr de la respiration. Elle intervient au repos et au cours des activités musculaires prolongées qui dépassent une durée de 1 à 2 minutes. J'espère que c'est clair et à bientôt.